one on the track. Bon les gars là, là je fais une intro en chap-chap comme on dit. Là, bon ma coiffure quand même qui n'est pas, hein, c'est pour un petit peu mes cheveux là quand même, vite fait. Là clairement, Go a choisi le roi chez ma cousine, c'est le point de rendez-vous. Là où je sais pas pourquoi j'ai décidé de faire un vlog parce que mon week-end il est un petit peu animé. La pluie là, je sais pas si vous allez m'entendre, mais la pluie là c'est trop, c'est Satan. Mais donc voilà, ce soir, j'espère qu'on va rentrer. Si tu veux, moi je suis habillée en mode normal. On va chez Chili Mazarin à l'Empire. L'Empire Club, l'Empire Club, tout ce que vous voulez. Mais pour l'anniversaire de Bambi. Voilà, donc là je vais rejoindre mes cousines. On se rejoint chez ma cousine. Et clairement, on se reprend là-bas. Peut-être des petites séquences de la route. On sait jamais. Il pleut, je ne pense pas. Alors les gars là, vous me voyez même pas, mais j'ai pensé à vous, 23h09 là. Alors non mais nous c'est ghetto ghetto, c'est la famille. Si toi tu en vois pas, moi c'est sûr on voit pas. Ah non mais attends, je mets un peu de lumière. Ah les bâtards, on la voit pas. Bon les gars, 23h10 maintenant, ben non toujours 9, je suis une mytho. Là on sort actuel. Mindy. Hein? Mindy. Elle est pas là. Ouais. Bon. Tu fais ah par là ou tu vas faire le tour? Voilà. Mes cernes naturelles sont toujours là, encore plus présentes parce que je ne dors pas en ce moment. Oh là là, j'aime bien dans le semi-noir là comme ça. Mais ouais voilà, bon je vais pas trop filmer. Là, attendez, on peut tourner là? Comment on fait? Comment on fait pour tourner les gars? Mais où sont-elles? Ben elles partent par derrière. Bon bah salut. Tu sais, t'es garé où? Bon les gars. Juste en bas là, tu l'as pas vu partir mec. Ah non. Les gars là, je direct ça à ma voiture, il est 11. Clairement, je suis en. Je vais arrêter de filmer parce que là il fait nuit. Voilà, on est excités comme des puces. Coucou, je vous reprends, on est arrivé. J'ai oublié que tu vloguais. Clairement. Là, clairement, on est arrivé. Je vais vous épargner les deux. Voilà, les gars, là on est arrivé. On va à la queue, voilà. On va rentrer normal, tu connais, c'est la maison. Elle m'a fait croquer la peur.
fait bisous. On dirait que c'est à elle qu'on a fait le bisou, les gars. Mais oui, c'est comme promis, c'est moi, c'est ça. Hé, Bambi, il faut que je filme en permanence. Il y a Chirage, il y a course. Venez tous à Weldom. Il y a Chirage. L'adresse, elle est secrète. Je ne donne pas l'adresse. Elle reste secrète jusqu'à l'événement, d'accord? Suivez juste les stories. Voilà, ça va péter. Ça va bang, bang. Dites en commentaire sur laquelle vous misez. La qui gagne ou la grise. C'est tout. Voilà. On ne donne pas plus de détails. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il fait? Regarde, regarde. Elle est bonne. Il est où tu me dis en latex? Genre ma life, la folie, c'est la folie quoi. Là du coup les gars, moi je vais un peu m'écarter parce que oh, moi aussi j'ai une sale gueule, c'est normal. Tu connais, ouais, je viens de voir un show qui m'a vraiment touchée, mais on va pas parler de ça ici sur YouTube parce que je fais pitié. Donc là on est en train de chercher clairement un plan, un petit after cosy, tout ça. On va aller sur Paname, vu que là nous sommes à Chili Mazara. Donc là on veut aller sur Paname, peut-être faire de la trottinette et aller au McDo parce que nous n'avons pas mangé, logique, on se préparait. Gros big up à Bambi et à Mathieu White, du coup félicitations pour votre couple. Et voilà, je suis actuellement au McDonald's. C'est moi. Oui, ben merci. Il est quelle heure là s'il vous plaît, de 2000 heures? Attendez l'heure, attendez. 5h. Il est 5h30 du matin. Là, on est au McDo actuellement. Des vraies commandes, hein. Pas des petites commandes. Pas des petites commandes, hein. Des vraies commandes. Et à Port de Bagnolet, là, très exactement. Donc, voilà. Je vous raconte pas le bordel, les gars. On a trouvé. Hein? Les gars, donc là, métamorphose, hein, je me suis changée, je suis rentrée chez moi rapidement, je me suis douchée, on s'est préparé avec ma cousine. Et déjà, regardez, je rentre, je trouve un colis, c'est génial, c'est la vie qu'on aime. Donc là, clairement, la journée continue en fait. Le vendredi, on a dormi un peu, là, ça continue. On a dormi le samedi plutôt, un peu. La jeunesse, la jeunesse. Franchement, il faut pas dormir. Tant que Dieu il nous donne la vie, là, profiter de la vie. J'ai perdu des gens facilement et tout. Donc là, clairement, on va direction Val d'Europe. Ça va. Mes cousines, elles sont, mes autres cousines, où j'étais de base, j'étais censée me préparer, elles sont déjà au Val d'Eux. Après, on va dans un resto. Je vous dis pas le resto. Ça pète. Ça va bien péter. Totalement. On va arriver au Val d'Eux. Là, je vais là. Pour... Alors, coucou les gars, je vous reprends là. Alors, je suis avec mes cousines et tout. On est dans un restaurant. De toute façon, je vous mettrai en barre de description. Franchement, super, super bien. Je vous recommande, je vous conseille de... Il ramène tout ce qui est boisson, etc. dans les tables parce que la salle, elle est vraiment très grande. Loli va rouler, ils ont tous un nom, elle c'est Loli. Hop, oh, vous voyez bien. Voilà, Loli est là, Loli est là. Loli est là. Miloli, Miloli. Là on a reçu les cocktails. Qui va? Je remplis, bon, re les gars, je vais faire la meuf. On se retrouve le lendemain et tout pour un... Non. Enfin oui, en soi. Mais en fait, on se retrouve le lendemain parce qu'il est minuit, deux peut-être.
Voilà. Donc j'ai fait la meuf. Oh, on se retrouve le lendemain, laissez-moi faire la meuf. C'est pas grave. Donc du coup, on se retrouve le lendemain, ma tête éclatée. Et en fait, j'ai pas envie de faire des CA, j'ai la flemme. Donc je vais juste vous montrer ce que j'ai acheté, ma commande chine. Alors, déjà pour commencer au Val d'Europe, mais ceux qui sont là. Je suis allée à la Fnac pour acheter un support, vous voyez, pour mettre sur le Power Breeze. Ouais, c'est ça. Bref, la vitre là devant. Et tout, il est télescopique et tout, j'aime beaucoup. Voilà, je l'ai acheté 30 euros, je crois. Ouais, 30 euros. Là, je suis allée à Apple vite fait parce que. Bon, on va pas insulter ici, mais en gros, il me fallait un adaptateur. À Snipes, j'ai acheté des chaussettes comme ça parce que je sais pas, je voulais. Et une paire noire pour le taf. Facile, donc j'ai pris les Oswego, les nouveaux modèles. Donc là, on passe par la commande chine. Je vais vous les mettre sur mon lit en grand et vous allez voir l'esprit. Mais c'est chine, cherchez, vous allez trouver les hauls. C'est bien, j'aime bien regarder, mais là, je sais pas, j'étais pas dans une optique de hauler ça. Et je voulais pas faire de hauler. Il y a un jean comme ça là, il aura dépareillé. Je sais pas ce qu'il m'a pris, mais il n'y avait pas de jean. Mais il m'a l'air bien grand. Mais bon, je vais l'essayer, je vais voir. Voilà, un jean comme ça. La qualité, ça va. Il n'est pas beaucoup épais quand même, non plus. Si on veut du épais, il n'y a plus épais. Il est marron foncé, marron clair. Ça me fait une touche de couleur. Moi qui mets jamais rarement de couleur, pas jamais. Bon, le jean, c'est parfait. Il est un peu grand, mais bah, du coup, ça fait mom ou boyfriend, je sais pas comment on dit. Mais c'est bon, les gars. Mes baddies, c'est bon pour le jean. Donc là, c'est un sorte de legging. Je m'attendais pas à cette matière, mais bon, ça me convient, ça va. T'as ma gratteuse de sœur qui est là, qui a voulu, c'est mon jean. Bref, qui est ouvert aussi ici en bas. Donc je vais essayer ça. En fait, vous allez me dire, non, elle pouvait pas attendre demain en vrai. Mais en fait, non, parce que demain, normalement, je monte cette vidéo. Et aussi, donc je vais prendre toute ma journée. Je monte cette vidéo et ma vidéo. Des vacances, même que j'ai décidé de faire ça en format, donc elle va me prendre du temps. Ma vidéo de vacances, celle-ci, elle est plus au sein parce que c'est sur l'iPhone et tout, et c'est bien chronologique. Mais celle de vacances, voilà quoi. Mais ça va être cool, ma petite journée de demain. Donc, du coup, voilà pourquoi je commence. Je suis obligée de vous montrer tout de suite. Et demain, j'ai envie d'être tranquille, être que sur mes montages. J'ai déjà eu la vidéo qui est censée sortir après celle des vacances. Mais je vais les faire sortir en même temps, presque coller. Hein. Vous connaissez, je donne pas de jours, je donne pas de trucs. Comme ça, tu connais. Voilà, j'ai pas d'engagement. Je fais une vidéo parce que j'ai envie de la faire et parce que j'aime bien. Tu connais déjà? Et voilà, donc celle-ci, quand même, je voulais vous montrer. Donc voilà pourquoi je vous montre à une heure tardive comme ça. Et il y a que ma mère qui bénéficie d'un haul. Donc là, minuit 12. Ça, c'est une longue robe. Une bonne longue robe, il y a écrit black, col roulé un peu, j'aime bien, je vais l'essayer. La robe ça va, mais j'ai des trop gros tétés les gars, franchement, heureusement que je vais me faire enlever bientôt, je sais pas quand, mais je vais me faire enlever. Mais je vais voir si ma petite soeur elle la veut pas, parce qu'elle a des plus petites tétés que moi. Niveau gab elle est pareil, hein. Là, elle a des plus petites tétés, si elle la veut je lui donne, et sinon je la retourne. Ensuite j'ai un haut comme ça, j'ai bien aimé celui que j'étais à l'Obled avec. Du coup vous connaissez pas, mais en gros c'est un haut de basket avec un petit cartoon dessus avec un gros ballon de basket. Et du coup lui je l'ai pris, lui il est bien rouge. Je me suis dit, tu vois, avec un petit cyclis noir en dessous là, hop, tu mets ça en vite fait. Et voilà, je trouve ça, je vais l'essayer, mais c'est sûr ça rentre, donc c'est bon les gars. Là je vous filme à chaque fois, mais en fait j'ai oublié la commande. Mais bon, du coup là je m'en rappelle petit à petit. Ah, c'est un col roulé, genre taille de tunique, on va dire, semi-long. Il me faut un col roulé pour cacher. On n'a pas besoin de montrer les fesses tout le temps. Donc voilà, qui va en bas des fesses. Je vais essayer, mais je pense que ça va être bon aussi. Et là, je voulais dire, j'aime bien la matière de tout ce que je vous ai montré pour le moment. Juste celle de la longue robe noire. C'est pas assez extensible. Mais sinon la matière est bonne, c'est pas transparent et tout, donc ça va. C'est genre au niveau du col roulé, ouais. En plus c'est bien, ils ont, genre il y a une couture, c'est serré quoi. Mais ça va, mais voilà quoi.
je vais la renvoyer quand même ou je la donne à ma petite soeur. Donc là, je sais même pas pourquoi j'ai pris ça, mais bon, j'ai pris. En tout cas, celle-là, ça va servir. Ensuite, noir, basique, pareil, un peu dans le même esprit que quand je voulais, mais ensuite, gros coup de cœur pour le pull, pour le suite, hein, à capuche. Niveau matière, il est même mieux que le col roulé et tout, il est bien et tout. Il fait des effets que on sait que c'est faux, mais on aime bien. Ça, j'ai déjà essayé, j'avais oublié de vous montrer. Enfin, je viens d'essayer quoi. C'est un leggings encore, il est bien. La matière, ils aiment trop faire la matière comme ça en leggings. Il y a un petit trait ici qui passe, un petit. Ça fait son délire. excusez-moi. De toute façon, vous connaissez, c'est la maison, on éternue. Non, c'est tout, on va s'arrêter là. Mais ça, c'est la robe que j'attends. J'ai hâte de l'essayer. Oh là là, oui. Donc, c'est la robe que j'attends parce que je sais pas, je l'ai trop aimée. Après, il y en a qui n'ont peut-être pas aimé le fait que ce soit sa bimatière, mais genre là, c'est fait jean. Et avec le enjoy, good luck, j'aime bien. Et c'est une longue robe, comme je viens de le dire en plus. J'aime les robes et les longues robes de préférence. Comme ça, je mets pas de collant. Et la robe, celle-ci, la bimatière. Et si vous la voyez, prenez. Elle est lourde, confortable. Elle prend bien. Elle est. Non, franchement, elle est cool. Ça, je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Mais ça va servir. Depuis, c'est noir. T-shirt. Mon t-shirt. Bon, tête de mort, c'était, ça pouvait être évité. Mais je regarde ma commande. Je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas. Mais bon, je vais mettre en tout cas. Voilà. Je viens de vérifier ma commande. Là, j'ai pris en tout cas. J'ai pris. En tout cas, celle-là, je vais mettre. Donc, un leggings. Ma mère m'a acheté des petites Adidas là. Grave confortable. Je sais pas c'est quoi comme modèle. Elles font des archi petits pieds par de queue d'un. C'est bien. Et confortable de ouf. Je vais mettre hein, avec mes Oswego, tiens. Mes Oswego, elles sont noires, mais le fait que ce soit mat un peu machin, ça fait gris. Un petit leggings noir. Ça passe crème ou un petit haut. Non, pas mon bas marron. Un petit bas noir. Voilà, c'est carré. Ou j'ai un leggings. Ça, je sais pas. Moi, je comprends pas aussi. Hein. Je sais pas, quand je le vois, je me dis, ah, ça peut faire un truc si. Mais après, je sais pas, quand ça arrive, je suis sans ambition, je suis sans sentiment. Je vais voir, je vais essayer. Mais ça peut faire un truc. Hein. En soit, c'est une jupe avec un haut court. Enfin, semi-court avec deux poches ensuite. En plus, j'adore les capuches. Donc, je sais pas. Mais quand je le vois, ça me fait. Je sais pas ça fait quoi. J'ai parlé un peu trop vite. Je crois en fait que c'est juste la, peut-être la couleur qui va me déranger, mais c'est juste la jupe. La matière elle est bien en tout cas. Il y a une fente par contre ici. Je savais pas mais bon. On prend. Hein. Là j'ai dit deux trucs en fait trois. Il y a ce jeans là encore. En fait clairement bas noir parce que ça je comprends que ça peut être chiant. Ouais, j'ai que des bas noirs. En fait, tous mes jeans et tout, du coup, de l'ancienne, je les ai donnés. Donc, qui fait que j'avais aucun bas noir et je me suis retrouvée qu'avec des robes là, à un moment. Et du coup, bah, j'ai changé ça, hein, j'ai trouvé la donne. D'où mes trois leggings et ma mère, avec cette paire de chaussures là, m'a pris un legging Adidas que j'avais aujourd'hui, qui est très bien confortable et tout. Et j'ai pris ça. Vous voyez là, c'est des leggings. Là, la bulle. Je sais même pas c'est pourquoi ça. Mais vous avez compris. Donc je vais l'essayer, je vais voir, j'espère qu'il n'est pas transparent. Voilà, mais sinon je pense que ça va aller. Hein. Ça peut que, de toute façon, on prend, j'ai dit. Pas assez serré, mais du coup, ben, là c'est sûr que c'est pas transparent, que c'est pas assez serré. Mais je savais même pas qu'il y avait des trucs dans les fesses là, des plis là. Mais ouais, sinon c'est bon, ça va. Et du coup, là maintenant pour finir, un ensemble, un bas, les leggings. Avec le haut et un papillon dessus. Voilà. Pour tous les jours, pour aller taffer. Une petite chaussure et fin. Voilà, ça aussi, je pense que ça va être bon. Et clairement, bah, on va se quitter sur ça, les amis. Quand même, je vais montrer ma tête pour se quitter. Je suis pas impolie. J'ai refait mon chignon parce que. Mais ouais. Donc, clairement, je suis grave KO. De toute façon, je l'ai déjà dit, redit. Je suis vraiment KO, ça veut dire.